Salut petit caillou, c'est Pierre qui roule et on va faire un test et test aujourd'hui d'un jeu qui est arrivé fin septembre sur le Game Pro de Microsoft Xbox. Ça s'appelle Payday 2. Et c'est un jeu de braquage de banque. C'est un jeu de simulation de braquage de banque parce que c'est assez réaliste et tout ça. Les graphismes, ça date du jeu, hein, Payday 2. On va voir un peu les contrôles. J'aime pas les jeux de braquage par rapport à la mentalité. Brooklyn Bank has got something we need. Hunt for what, Vince? This one is a hit on the Toyota dealership. High class joint. Merry Christmas. Dear Vince, we're going to New Vince. How about helping me with a weapons deal? N'est pas un facile. Vince, the Brooklyn Bank has got something we need. Hunt for what? It isn't just cash. Vince, we need to do a bit of an unusual. Okay, standard bank hit. Only we're going to... Fancy giving me a hand up north while I buy some... Dear friends, I need assistance unloading some weapons. I've set up a deal in Alaska, but I need an escort to keep the transaction secure, yeah? Alors vous jouez avec des vrais autres joueurs. Vous pouvez inviter des amis, vous voyez. Vous pouvez même expulser le joueur. Pas loin. Et là, vous pouvez lancer le casse et voilà. Je crois que vous jouez avec des PNJ, ou je sais même plus, c'est tout de suite des vrais joueurs, je crois. Locke has asked for help guarding a weapons transaction in Alaska. Says he's not expecting trouble, but wants some reliable security just in case. Looks like it might be an easy payday if you can put up with the cold. But it's time for me to leave. But I've left a surprise for you. Hey, what the hell is going on? Rock, what are you doing? Now what do we do? You'll hate me for this, but only until you're dead. Nothing personal. Fuck me, my arsehole's going. Set up! Damn Brad sold us out! SWAT's incoming! You need to fight your way out! So long, my little smiling friends! Locke got away, but we'll have our...
déteste ce jeu. On va essayer de finir la mission.
chez moi les gars. Go. Les gars, on protège. Down!
Eh bah, on a chier, hein. Bon, tu te mets le cul là dans ton truc là. Voilà, on va arrêter là. Bon, on va s'arrêter là. C'était un bon test des tests. On a suffisamment joué à ce jeu, ce qui n'est pas du tout mon type de jeu. Déjà, c'est un jeu qui joue principalement... en coop, hein, ou en, comment dire, si c'est pas en coop, au moins en multi. Vous pouvez acheter des armes, vous devez essayer. Et voilà, planque. On va voir ce que c'est la planque pour vous montrer. Voilà. Voilà, c'est ça. Avec un baratin. On va s'arrêter là. That's your laundry, guys. Fatal scene inside. Je vais pas vous montrer ce que c'était, mais... Voilà, vous êtes dans la planque, c'est votre planque. Voilà. Vous pourrez la modeler après à force de venir du fric et tout ça, vous pourrez la décorer. Welcome back. See, you don't even have to answer the phone. Allez, on s'en fout. On fait ça et on met les crédits et on s'en fout. On s'en va. Voilà, crédit, ce jeu, bah.
C'est un vieux jeu, hein. De toute façon, tout ce qui arrive sur le GamePoot, vous avez 1% qui sont des jeux Day One qui sortent du lot, et 99% qui sont des jeux rétro gaming indépendants ou de merde. Donc ça, c'est pas un jeu de merde, mais c'est un jeu qui joue en coop ou en multi, avec deux autres personnes, et pas solo, on se fait chier. Puis je sais pas si vous avez vu les graphismes, mais ça pique les yeux, ça fait saigner même les yeux. Parce qu'on est quand même en 2024, on est sur Series X à 500€, c'est pas pour jouer à des jeux de Xbox One. Parce que c'est limite un jeu d'Xbox One, voire allez, One X. Moi j'irais plutôt One, hein, les maximum One. Voilà, donc c'est tout. Allez, sur ce, ciao, bye bye, à plus dans la bus, bye bye.